bah nous voici après la bourse d'Arras que vous avez pu voir donc précédemment donc dans cette petite vidéo. Donc là on fait un petit peu la conclusion. Alors j'ai viré Tom, hein, il m'énervait, je l'ai viré, j'ai pris Céline. Céline qui avait son stand, donc Céline Snélicasus bien sûr, son stand d'escargot géant africain. Donc bah déjà pour revenir un peu sur cette bourse, bon bah bourse internationale hein, comme d'habitude. Hein. Donc bah déjà tu t'attendais vraiment à cette folie avec ton stand Pas du tout. Vraiment un monde de folie, je me suis pas arrêtée une seconde quoi. Et je trouve ça juste génial que les gens soient venus me parler et s'ouvrent à l'esprit aux escargots. C'est top du top, que des gens cool. Bah, c'est vrai que t'as eu quand même pas mal de monde toute la matinée. Enfin moi je voyais de mon stand, il n'y a pas de bonne se reposer quoi, t'avais pas le temps. Surfa. Ah ouais, ça j'arrêtais pas d'écrire mes petites attestations là de session, parce que je préfère faire ça, c'est plus sérieux quand même. Bah faut un minimum de sérieux, puis après bon même si c'est demandé maintenant obligatoirement par les reptiles, c'est vrai qu'au niveau des escargots là-dessus, il n'y a pas vraiment de réglementation. Bah pour l'instant il n'y en a pas, mais on sait pas le jour où ça peut arriver. Donc, voilà, vaut mieux être sûr d'avoir un bon surfa de session et d'être vraiment tranquille en règle. C'est ce qu'il y a de mieux. Après au niveau de l'ambiance, t'en as pensé quoi exactement? L'ambiance générale je veux dire. L'ambiance franchement géniale. Je crois que c'est vraiment la meilleure bourse que j'ai fait pour l'instant. C'est ouais. Super ambiance, personne se prend la tête, tout le monde s'entraide et juste génial. Les gens très très sympas et. Et beaucoup de visiteurs surtout. Beaucoup de visiteurs, mais pas de visiteurs cons. C'est vrai que ça change des fameux je vais te mettre de l'ail ou du persil avec des voilà. Trucs, machin. L'ail et le persil, je l'ai eu quoi deux fois sur combien de visiteurs? Je sais pas, des milliers quoi. Ouais donc oui, à la limite voilà, t'es largement gagnant. Ah voilà, franchement, rien à dire. C'était pratique. Mais après moi l'ambiance générale, j'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal de monde. On avait quand même chaud. L'air de rien, s'ils avaient pu ouvrir quelques portes, ça nous aurait fait du bien. Ensuite, le truc qui m'a un peu gêné, c'est le tirage au sort. Alors dans l'ensemble, faire un tirage au sort, c'est ouais. 10 ans, c'est pas mal. Mais le souci, faire ça en bord d'expo, c'est un peu gênant. Il aurait mieux fallu le faire dans l'expo, faire un îlot exprès pour les 10 ans, parce que comme ça, le monde serait resté vers les stands et ça aurait été vraiment pas mal. Quoi. Ah ouais. Je pense que c'est ça. Bon, après, c'était les 10 ans, voilà, ils avaient quand même fait des beaux trucs, il y avait des conférences. T'as gagné des cadeaux, c'est vraiment une très bonne chose. Et ça a fait beaucoup de bazar quand même. Voilà, avec le micro surtout, voilà, on s'entendait quasiment pas, surtout nous qui avions nos stands vraiment très proches. Donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est rester fidèle à soi-même, c'est Arras, c'est du monde, c'est d'autres exposants, des amis, machin, c'est la grande fête, la grande fête de l'état française, on peut dire ça comme ça. Hein. Même si c'est pas vraiment une fiesta d'ailleurs. Mais voilà, pour nous, c'est plus une fête qu'autre chose, donc c'est vrai que c'était sympa. Ah ouais, j'ai été hyper bien placé, franchement génial, à l'entrée, avec tous mes amis autour de moi, enfin, juste parfait. Surtout quand on sait que t'as pris ton stand en retard. Ah oui. Comparé à j'ai pris un peu à la dernière minute, ouais. Mais après, c'est vrai que ça s'est fait sur un coup de tête et t'avais tenté Reptilion et ça avait très bien marché. Tu t'es dit, tiens, peut-être là pourquoi pas. Et en fin de compte, ça marche. Je regrette pas. Ah ouais. Voilà, ça a fait ce qu'il fallait et c'est vrai que voilà, moi je suis content que tu marches aussi comme ça. Donc ça vaut le coup. C'est toi qui m'as lancé aussi. Ça vaut le coup de te relancer pour Arras au mois de novembre. Ah ouais. Donc avec peut-être d'autres espèces, qui sait, hein, ça tombe jamais. Ah ouais. Voilà, donc l'ensemble, très bonne bourse, que du bonheur quoi. Ouais, c'est ça. On repart tout heureux. Voilà, puis vous avez pu voir quelques stands donc, sur la vidéo que Tom a tourné, qui d'ailleurs, Tom fait une pause, hein, bien sûr. Pauvre petit. Voilà, et trop de fatigue, tourner une vidéo chez moi, c'est beaucoup de fatigue. Non, vous avez pu voir de belles images, donc voilà, après, bon, bah, y a d'autres vidéos qui vont sortir sur la chaîne, notamment d'autres sur le suivi de Manicourt, le suivi du passage chez Tropical Reptile encore, parce qu'il me reste quelques vidéos qui sont sur la chaîne. Là actuellement vous avez pu voir donc, le concours qui a été lancé aujourd'hui suite à l'apparition du site, donc, qui dure jusqu'au 15 août, donc pour ça il faut se rendre sur la vidéo sur la chaîne YouTube qui en parle, tout vous sera indiqué. Et puis bah, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, bah, certainement une bourse de béthune également ou d'autres petits trucs, on verra bien. Bon bah salut. Au revoir.